Oh mon Dieu. Véronica, je suis vraiment désolée. Désolée, Véronica. Non, ce n'est pas de ta faute. Tu n'as pas à être désolée pour ça. Tout est de ma faute. Si j'étais restée, tu n'as l'avoue aucune raison de rester dans cet hôtel. Et tout ceci ne serait pas arrivé. Je n'aurais pas dû oublier mes clés. Je n'aurais pas dû oublier mes clés avant de quitter la maison. Si tu vois le gars, est-ce que tu peux le reconnaître? Bien sûr. Ok, c'est bien. Bien sûr. Disons-le aux autorités et mettons-le en prison. Non. Je ne veux pas de ça. C'est déjà assez mauvais que ceci soit arrivé. Je ne voudrais pas que ça sorte. Je ne voudrais pas que ce soit public. D'accord? S'il te plaît, je suis fatiguée. Je dois me reposer. Je suis très fatiguée. Calme-toi, s'il te plaît. Monica, s'il te plaît. Oh Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh. Véronica, qu'est-ce que tu fais? Véronica, arrête! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Oh Dieu!
Véronica, tu ne peux pas boire comme ça. Regarde. Regarde ton environnement. Véronica, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Véronica, s'il te plaît, laisse-moi, tu dois arrêter. Arrête. 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 Tu ne peux pas condamner ta vie à boire et à fumer, s'il te plaît. Véronica, c'est difficile de voir une femme aussi forte et indépendante comme toi gâcher sa vie, s'il te plaît. Tu dois juste arrêter, ok? Ce n'est pas la fin du monde, s'il te plaît. Véronica, laisse tomber. S'il te plaît, laisse tomber. Forte. Indépendante. Maintenant, dis-moi, où est-ce que cela m'a-t-il conduit? Je me suis quand même fait violer par un imbécile que je ne connais même pas. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que cette femme forte a vraiment? Donne-moi mon briquet. Véronica, s'il te plaît. Donne-moi mon briquet. Arrête, arrête. Véronica, arrête. Laisse-moi Véronica, tranquille. Arrête. S'il te plaît, s'il te plaît. Véronica, s'il te plaît, s'il te plaît. Je n'ai vraiment aucune idée de ce dont tu traverses. Mais tu ne peux pas juste condamner ta vie comme ça. Tu ne peux pas. S'il te plaît. Véronica, s'il te plaît, arrête. Véronica, s'il te plaît, tu ne peux pas, s'il te plaît. Véronica, s'il te plaît, tu ne peux pas. Arrête, tu ne peux pas. Arrête, arrête. Est-ce que je peux avoir un verre? N'importe quoi, du whisky, quelque chose de fort.
Dites-moi, comment va-t-elle, docteur? Elle va mieux. Elle est hors de danger. Oh, Dieu. Merci. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci beaucoup, mon Dieu. Mais je crois qu'à son réveil, elle aura un problème avec sa mémoire. Sa mémoire? Docteur, que voulez-vous dire? Regarde, durant l'accident, elle a cogné sa tête très fort. De telle sorte que ça a affecté sa mémoire. Sa mémoire? Oui. Docteur, s'agit-il de l'amnésie? Je ne peux vraiment rien vous dire pour le moment. Oui, monsieur. C'est l'amnésie. Oui. J'ai tellement peur. Vraiment, j'ai tellement peur. Est-ce que tu viens? Ok, monsieur. Ok. Ok, mais s'il te plaît, viens. S'il te plaît, j'ai tellement peur. Papa. Elle se rappelle de nous. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma fille, calme-toi juste. Tu sauras ce qui s'est passé quand tu te porteras mieux. Je sais que ma fille Véronica ne boit pas du tout en conduisant. Oui, monsieur, exactement. Quelque chose a dû conduire à tout ceci. Oh. Jasmine. Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu me caches? Monsieur, désolé. Je suis vraiment désolée. Pardon, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. S'il vous plaît, c'est... Véronica. Elle m'a dit de ne rien vous dire. Ce n'est pas comme si je ne voulais pas vous dire. Papa, la chose est que... Véronica a été violée. Quoi? Désolé, monsieur. Désolé. Ma fille a été violée? Elle a été violée. Et tu as eu l'audace de me le cacher? Non. Désolé. Tu as osé me le cacher? Non, monsieur. Je suis désolée. Vraiment désolée. Je suis désolée, monsieur. Ce n'est pas comme si je ne voulais pas vous dire. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. C'est elle. Elle m'a dit de ne rien vous dire à propos de ça. S'il vous plaît. Oh mon Dieu. S'il vous plaît. Quand des gens normaux voyagent pour rendre visite à leur famille, ils rentrent avec quelque chose. Avec du pain, mais vous les filles, je ne sais pas quel est votre problème.
Véronica, celle-là, elle dort depuis qu'elle est rentrée. Je suis sûr que cette fille est enceinte. Jeffrey, va dire à papa ce qui s'est passé là-bas. Ferme ta bouche, ferme-la. Véronica enceinte, je vais lui dire. Cette fille est tombée enceinte. Oh. Rien du tout, vous n'avez rien apporté. On va t'entendre. On va t'entendre. Si quelqu'un t'entend, je vais... Alors... Ne t'en fais pas, je te ferai faire des courses, n'importe quoi. Dégage. Non mais qu'est-ce qui se passe par ici? Il est très vilain. Papa. Ouais. Je sais quoi faire. Exactement. Je sais quoi faire. Ouais, c'est l'heure de fêter. Merci. C'est vrai ça? Oh. Ah. Jasmine? Monsieur? Qu'en est-il de Véronica? Elle dort. Ok, monsieur. Le travail. Je... Attends, attends, viens par ici. Je... S'il te plaît, en aucun cas, ne permets à personne de ne rien dire à Véronica à propos de l'incident qui a eu lieu dans le passé. Est-ce que c'est bien clair? Tu m'as bien entendu? Oui, monsieur. Est-ce que c'est clair? Ne, je dis bien, ne lui en parle jamais. Tu m'as bien entendu? Monsieur, mais m'a dit Ferry. Ne lui dis pas. Repars maintenant avant qu'il ne revienne. Ah. Ouais. Super. Tu es bien réputé pour ça. Jeffrey, laisse-moi le faire. Calme-toi. Autre chose. Ok. Tu iras avec elle à Lagos. Ah. Oui. Écoute-moi très bien. Tu es l'homme parmi elles, et là-bas aussi tu le seras. Oui. Oui, tu seras le père. Est-ce qu'il est obligé de partir avec nous? Tu vas être l'homme. N'importe quoi. Dégage. Tu vas laver les plats. Laisse-moi te dire, quand tu mangeras, tu laveras tes plats. Je te jure, si je vois les assiettes sales et toutes les autres bêtises. Fatiguée. Tu es fatiguée. Je suis sur les rotules. Mon Dieu. Mais c'est normal. Tu dois garder la forme, tu sais. Cette histoire de garder la forme n'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile. Mon Dieu. C'est quoi ça? Chérie, devine quoi? Quoi? Alors, j'ai décidé de suivre tes conseils... À propos du fait de ne pas être timide pour parler aux garçons. Et devine quoi? Ça a marché. Il est vrai que le gars a été un peu effrayé, mais ça a marché. Est-ce que tu essaies de me dire que tu en fait allais vers un mec pour lui dire qu'il te plaît? Ah, bien sûr que non. Pas comme ça. Comment je peux l'aimer comme ça? Ah, pour l'amour de Dieu, juste de le rencontrer. Bien sûr que non. Par contre, le gars est très mignon. Et tu sais ce que je pense? Je pense qu'il vient d'emménager dans le quartier. Vraiment? Oh oui. Ok. Ce visage est tout nouveau. C'est un nouveau visage. C'est un nouveau visage. J'ai compris ce que tu as dit. Eh bien. Ah, toi, wow. Tu adores les détails. Tu adores bien. Les détails. Quoi de neuf? N'ose même pas. Ne t'approche pas de moi avec ta main puante. Ça, c'est tout ça. Oh. Tu crois que mais tu vas juste... Mais main pue? Jasmine, allez, dégage de là. Monsieur. Garde tes affaires pour toi, malade. Allez, continuez comme si vous n'avez rien à faire. Dégage. Il était là. Comme je disais... Vous vous êtes embrassés? Non. Ah. Dis-moi tout. Ah bah. On vient juste de se rencontrer. Salut. Qui est-ce? Suis-je en train de parler avec Véronica? Oui, c'est elle. D'accord. C'est moi, Jack. Jack? Oh, Jack! Oh mon Dieu! Tu as finalement appelé. Comment tu vas? Désolé de n'avoir pas rappelé pendant tout ce temps. J'étais juste un peu occupé.
J'ai un peu de temps libre demain et je me demandais si on pouvait se voir. Allô, monsieur l'étranger? Donc tu vas juste sortir de nulle part et demander à dîner avec moi? C'est ce que tu essaies de me dire, hein? Eh bien, si c'est comme ça que tu le prends. Ok, d'accord, très bien. Un dîner, c'est bon, ça me va. Oui, on peut le faire. Je suis sûre qu'on peut le faire. D'accord, c'est parfait. Au revoir. Ok, au revoir, étranger. Hey, Véronica, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, ma puce? Ma chère. Ma copine, tu es vraiment chaude. Un jarre, 5 coquilles, celui-là. Tu peux encore le redire, parce que là, c'était Jack. Jack, ok. Oui. J'ai rencontré Jack il n'y a pas très longtemps. Ok. Oui, et tout à coup, il a juste appelé pour me demander de dîner avec lui. Je vois donc, tu crois qu'il vaut la peine? Oh, donc maintenant tu veux me décourager? Je vais le faire. Mais tu ferais mieux de commencer. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce qui se passe. La forme, chérie. C'est la forme qui me garde. Attends, je vais apprêter mes baskets. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Mec, j'essaye de sortir avec cette fille. Mais elle ne me reconnaît pas. Ouais. Mais attends, est-ce cette fille en boîte que tu as tapotée aux fesses? C'est elle. Je l'ai juste tapotée. Mais elle m'a renversé son verre. Mec, n'y va pas. Non, non, ce sont des ennuis. Mec, c'est... Elle a renversé son verre sur toi. Je suis pas sûr qu'elle se souvienne de moi. Je te le dis. Même si elle ne t'avait pas reconnu, elle n'allait pas le faire? C'est sûr qu'elle ne reconnaît pas la personne avec qui elle cause. Mec, les choses arrivent et ce sont des ennuis. Que ce ne soit pas qu'elle cause avec un gars comme ça et que le gars t'a vu et il te piège. Et s'il lui arrivait de briser ta tête? On dirait que tu ne connais pas ces gars. Ce sont des gars qui ont investi leur âme. Et si la fille n'est pas honnête, crois-moi, c'est ta tête qui partira. Ouais. Très belle. Ok. Laissez-moi vous présenter, les gars. Jasmine. Oui. Mon ami Jack. Ouais. Ok. Jack. Mm-hmm. Voici mon ami. Ma meilleure amie. Jasmine. T'es sérieuse? T'es une très mauvaise personne. Ah. Donc t'as cette très belle demoiselle. Ah. Comme ta meilleure amie et tu me l'as même pas présentée. Allez, arrête. Dégage de là. Salut, toi. Ok. Ravi de faire ta connaissance. Okay. Je sais que je viens juste te voir, mais je peux déjà te dire que t'es une très belle fille. Oh. Même pas comme mon ami ici. Oh. Oui. Épouse-moi. Deviens ma femme. Vas-tu m'épouser? Bien sûr que je vais t'épouser. Ok, ça suffit. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Un heureux mariage? Très bien. Heureux mariage. Oh, Véronica, merci. Ne me dis pas que tu es jalouse. Hein? De quoi? Salut. Ouais. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour elle? Ou pour elle? Je ne comprends pas. Eh bien, comme tu le vois, la relation avec ta sœur n'a pas marché comme elle était. Très difficile. Alors, j'ai dû me rapprocher de la très confortable. Belle et sexy demoiselle ici. Ouais. Toi, je vais bientôt te casser la tête. De toute façon, Jeffrey, est-ce que tu peux apporter quelque chose à boire pour notre nouveau beau-frère? Ouais, au téléphone, sois pas jaloux. Jack, je vais devoir vous laisser. Je dois assister à une réunion importante. Et d'ailleurs, tu ne m'as pas prévenu que tu venais. Alors, Dieu merci. Tu n'as eu Dieu que pour ma belle amie que voici. Elle pourra bien prendre soin de toi. Elle prendra bien non, soin c'est de bon. Toi. En fait, bye. S'il te plaît, prends soin de toi. Et ne rentre pas d'ici oh, tôt. Oh, vraiment? Oui. Oh, bye. Vraiment. Prends tout ton N'est temps. Pas. Prends N'est pas. Tout ton temps. Bye bye. Pas de problème. Je suis ouais, tellement c'est pareil contente. Pour moi. Allez, ne va pas comme ça.
Je veux dire que c'est pas maintenant que nous nous apprêtons à nous marier. Hein? Tout ce que je te demande, c'est de dire oui. Marier? Hein? Toi et moi. Mm-hmm. Je vais te donner un horrible coup. Mais franchement parlant, je t'aime bien. J'aime ton énergie, j'aime ton esprit, ton côté positif et tout le reste. Jack, le garçon amoureux. Jack, n'oublie pas qu'on s'est rencontrés aujourd'hui. Eh bien, oui. Comment vais-je appeler ça maintenant? Un coup de foudre? C'est possible. Mmh. Ouais. Tout ce que j'ai à faire, c'est te prouver que je t'aime. Ok. Et puis, je ferai en sorte que tu m'aimes. Et? Et après cela, je te demanderai de sortir avec moi et tu diras oui. Oui. Ouais. Je vois que tu as déjà tout prévu. Ok. Qu'en est-il de Véronica? Ah, Véronica? Oui. Y a rien entre elle et moi, on est juste amis. Et toi et moi savons qu'elle n'est pas prête à être dans n'importe quelle relation en ce moment, alors... Eh bien, tu en fais raison, mais... Ok. Qu'est-ce qui te fait croire que je ne suis pas dans une relation? Ou que je suis prête à être dans une relation? Eh bien, il y a des chances que tu sois... dans une relation. Ouais. Et aussi, il y a des chances que tu ne sois pas dans une relation. Mais quel qu'en soit le cas, je ne vis que pour toi. Tu ne comprends pas? Alors, comme tu le veux, dis-moi juste. Si tu veux que je sois un petit mari, c'est bon. Si tu veux que je devienne ton esclave, bien. Si tu veux que je devienne ton homme, c'est bon. Et si tu veux que je fasse de toi la mère de mes enfants, bien. Bébé, mon Dieu. Genre, tu es tellement fou. Je t'aime bien. Et nous pouvons nous donner une chance. Vraiment? Ouais. J'espère que Véronica ne s'y opposera pas, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Donne-moi les détails. Donne-moi les détails. Okay. Ah. Ok. Commère. Ok, laisse-moi te donner un tout petit aperçu. Ok. Eh bien, nous avons parlé. Mm-hmm. On a essayé de mieux nous connaître. Mm-hmm. Mais encore... Encore quoi? Genre... Véro. Genre... Juste, dis-moi la vérité. Est-ce que tu n'as pas les sentiments pour ce gars? Bien sûr que non. Tu penses que si j'avais des sentiments pour lui, j'allais vous laisser seuls tous les deux? Toi qui es aussi jolie qu'une sirène, briseuse de couple. Bien sûr que non. J'allais rester là à vous regarder. En fait, il n'allait même pas s'approcher de toi. Mmh. Ok, je suis soulagée. C'est un soulagement. Raconte-moi la vraie histoire. Ok, donne-moi d'accord. La vraie version. Ok, ah. D'accord, d'accord. Au moins, maintenant, tu n'as pas les sentiments pour lui. Mmh. Je vais te raconter okay. La vraie histoire. Okay. Ok. Je crois qu'il essaye de me demander de sortir avec lui. Et alors? Et je lui ai dit de patienter. Ok. Tu lui as demandé de patienter. Oui. Ok. Ce qui veut dire que tu lui as demandé de patienter et pas de partir, c'est ça? Tu lui as juste dit, hey, sois patient. Laisse-moi t'observer un moment pour voir si je t'aime. Je crois que c'est mieux comme ça. J'adore ton style. Tu ne sautes pas sur un truc juste comme ça. Je crois que c'est mieux ma comme ça. Ma meilleure amie. C'est vraiment c'est mieux comme ça. Tu sais, je vais te le dire vraiment. Ok. Hein? Éclate-toi! Ok, je dois vraiment savoir ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu montes et tu descends comme une jeune fille qu'on drague. Tu es tout rouge. Ah. Vraiment? C'est toi qui dis ça maintenant? Attends. Tu as oublié que j'ai fêté mon 24e anniversaire le mois dernier. C'est bien toi qui as dit que jusqu'à ce que j'ai 19 ans, je suis toujours un enfant. Alors sans aucun doute, je ne suis plus un enfant. J'ai 24 ans. Mais oui.
Seigneur, je ne vais pas me disputer avec toi. Ton attitude ne me surprend pas. Tu ne veux pas me donner les détails. En fait, son visage comme le tien. Tu es folle. Vous avez le même visage. Regarde. Regarde. Regarde comment il va. Regarde. 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 Il va. Il tu va. Tu vois ce gros-là? Ok. Ce gros-là, il te ressemble. Tu es malade. Tu sais que tu es vraiment stupide, gars. Tu ne peux pas être... Hey, salut. Oh, salut. Hey. Oh, comment tu vas? Salut. Salut, monsieur. Ok. Jasmine, ouais. Jeffrey, voici mon ami. Uh-huh. Oui, il est nouveau dans le quartier. Ok. Salut. Donc, c'est de lui que tu nous parlais. Uh-huh. Ok. Ne fais pas attention okay. à elle. David. Je vois. Uh-huh. Mec, s'il te plaît, je t'en prie, tu peux t'asseoir. Ok. Bien. Je suis l'homme dans cette maison. Ouais. Et crois-le ou pas, et ces dames que tu vois là, je m'occupe d'elles comme si elles étaient mes enfants. Le fait qu'on t'ait amené dans cette maison aujourd'hui démontre que tu deviens lentement une personne importante. Ouais. Cette petite ici, Véronica, j'ai observé ses mouvements récemment. Je ne suis pas un gamin, hein. Donc je sais quand quelqu'un te plaît, tu comprends. Alors ce que je veux dire, c'est ça. Si tu sais que tu vas briser le cœur de ma sœur, hein, évite ses lèvres. Jeffrey. Quoi? Non, quoi? Je suis un homme et je sais ce que mon semblable peut faire. Monsieur. Au moment où tu vas l'embrasser, d'autres choses vont t'arriver et après tu diras que tu ne la veux plus. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise dans ces choses. Je sais qu'elle est bien. S'il mais te encore, plaît, laisse-nous. Ok. Peace, mon frère. C'est rien. Peace. Vas-y, va-t'en. S'il te plaît, ne fais pas attention, mon frère. Il jacasse comme une petite fille. Oui. Qu'il l'est. Oui. Alors, est-ce que je peux t'offrir quelque chose? Tu veux que je te donne un truc? Comme tu es notre invité, pourquoi tu me regardes comme c'est ça? C'est notre invité. C'est normal, non? C'est notre invité. Ne te dérange pas. Pour elle. Ok. Oui, maman, je vais bien. Je me porte bien. Oui, maman, je vais bien. Celui-là, est-ce qu'il peut? S'il essaye n'importe quoi dans cette maison, je vais lui briser la tête. Il me connaît très bien. Oh, envoie-lui également mes salutations. Et maman, s'il te plaît, n'oublie pas de donner à Jasmine du pudding. Tu sais que personne ne le fait mieux que toi. Et étant donné qu'elle vient vous rendre visite demain, s'il te plaît, n'oublie pas. S'il te plaît, n'oublie pas. Je ne veux pas entendre d'histoire. Ok. D'accord. Bonne nuit, maman. Prends soin de toi. Je t'aime également. Bisous. Bye, maman. Jasmine? Monsieur? Comment va Véronica? Monsieur, elle va bien. Elle se porte bien. Elle va bien. Eh bien, ma femme m'a dit aussi qu'elle allait bien lorsqu'elle a appelé hier. Oui, elle va bien. Elle va. Tu ne dois pas t'inquiéter pour quoi que ce soit.
Genre, la seule chose qui devrait te déranger en ce moment, c'est pour... ne lui dis pas que je t'ai dit ça. Hein? Ok. Véro sort avec un beau gosse récemment. Alors, bientôt tu auras un beau fils. Non, mais regardez. Ne lui dis pas que je t'ai dit ça. Regardez-moi celle-là, écoute-moi des choses qu'elle raconte. Eh bien, qu'en est-il de ses souvenirs? Est-ce qu'il revient toujours? Eh bien, les souvenirs... pas vraiment, pas vraiment. Je ne crois pas qu'elle se souvienne de quoi que ce soit. Mais elle n'a rien dit ou fait quoi que ce soit concernant ça. Non. Oh. Je prie qu'elle s'en souvienne vraiment pendant un bon moment. Oui. Pendant un bon jour. Je sais. Je veux vraiment la voir heureuse. Honnêtement, tu sais que je l'aime vraiment beaucoup. Je sais. Et par ailleurs... D'accord. Ma peur... Et qu'elle ne perde pas surtout confiance, surtout lorsqu'elle s'en souviendra. Tu sais que je l'aime vraiment beaucoup. Oui, je sais. Ne t'en fais pas. Tu n'as pas à avoir peur, ok? Elle se porte à merveille. D'accord. Continuons juste d'espérer, Je l'espère bien. Ok, je vais rejoindre maman à la cuisine. Parce que j'ai besoin du pudding. Véronica va me tuer si je quitte ici sans ça, s'il te plaît. Véronica, pas monsieur. C'est je d'accord. Reviens, papa. Hey. Tu t'es vanté de pouvoir danser mieux que moi, n'est-ce pas? Allez, lève-toi et montre-moi. Véro, regarde, ne me laisse pas montrer mon talent maintenant parce que si je te le montre, tu vas t'incliner. Si je te montre mon talent maintenant, je te le dis, tu vas couler des larmes. Montre-moi. Je suis prête à voir ton talent. Lève-toi et montre-moi. Ne me pousse pas à bout. Laisse-moi couler des larmes. Ne me pousse pas à bout. Monsieur, lève-toi et montre-moi. Ne me pousse pas à bout, là. Ne me pousse pas à bout. Danse. Ah. C'est... Non. C'est quoi ça? Non, ça suffit, assieds-toi. Je te l'avais dit. David, hey, Seigneur, tu ne vas pas me tuer. Je te l'avais dit. Quoi? Je t'ai dit que j'allais faire couler des larmes. Je t'ai prévenu. Oh, tu oui, as bien tu m'as vu, t'oublies pas. C'était quoi ça? C'était la meilleure danse que tu n'as jamais non, vue. Non, ça ne l'était pas. Quoi? Je t'assure. Oui, je sais. Salut. Salut. Oh, la poisse. Pourquoi toutes ces excitations? Qu'est-ce que vous fêtez? David, ici présent, me montrait comment danser comme un sens. David? Oui. Oh, mon J'ai Dieu. Très bon pas. C'est des ors. J'ai pas compris cette danse. Tu es sérieuse? Mon Dieu. Non, alors, quoi non. de neuf? Tu as eu le paquet? Bien sûr que oui. Mais, Véronica... Tu ne me demandes même pas tes parents, seulement tes choses. C'est pas possible. Parce que je sais qu'ils vont bien. Ils vont toujours bien. Ok. Tiens. Ceci, c'est mon meilleur plat. Ma mère en fait les meilleurs. Ça s'appelle Ogboka. Et je vais les manger. C'est quoi ça? Ogboka. Ne t'en fais pas. C'est appelé pudding, hein? Tu vas l'aimer. C'est bien très sûr bon. Qu'il va aimer. Qu'en laissez-moi juste. Différé? Quelque part. En fait, je reviens. Quelque chose pour lui. Ok, sois la je vais partir. Bye. Ok. Salut Juliette. Judith. Sois la bienvenue. Où est David? Il n'est pas à la maison. Ok, je vais l'attendre à l'intérieur. Mais tu peux... Ne t'en fais pas. Bienvenue. Merci, je suis très content d'être là. Voilà, tu as de la visite. Que veux-tu? Qui est-ce? Judith. Quoi? Elle est à l'intérieur, dans ta chambre.
S'il te plaît, s'il te plaît, arrête ça. Ça veut dire quoi tout ça? Hein? Que fais-tu ici? Sur quoi à 7 heures de la nuit? Qu'est-ce que ça veut dire? Ne puis-je pas passer la nuit avec mon petit ami? Non, non, non. Petit ami? Qui est ton petit ami? Toi. Écoute, on a rompu il y a des mois de cela, ok? Et je ne vais pas retourner dans ce mode de vie, ok? Et d'ailleurs, quand est-ce que tu es arrivé en ville? Eh bien, je viens juste d'arriver et tu m'as beaucoup manqué. Comme j'ai dit, j'ai rompu avec toi, ok? Et je ne suis pas prêt de retourner à ce mode de vie une fois de plus. Alors, s'il te plaît, va-t'en. Allez, David, ne fais pas comme si tu n'as pas profité de moi. Ok, bien. Maintenant, écoute-moi et écoute-moi très bien. C'est soit tu sors de cette maison ou je te laisse cette maison pour toi. David, je n'irai nulle part. Viens me mettre dehors, je n'irai nulle part. Bien, alors c'est moi qui m'en vais. Vas-y, je n'irai nulle part. Yo, mec. Oh oui, mon ami, salut. Tiens, là. Alors, par la grâce de Dieu, je suis debout. Comment ça s'est passé? Mec, ça s'est bien passé. Tout se passe normalement. Oh, mec, ce n'est pas quelque chose de facile. Tu connais toutes ces choses. Je suis allé voir la fille. Ok, comment ça s'est passé? Quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, quand je suis allé voir cette meuf, j'ai rencontré une autre fille dans cette maison. Mais celle-ci avait plus de présence. Vraiment? Et elle était plus sociable. Mec, c'est comme ça qu'elle et moi, on a commencé à causer, tu comprends? Oui, je vois. J'ai commencé à constater des petites... Lumières vertes. Lumières, du genre que si j'appuie... Ça va entrer. Ça peut finir par entrer. Donc la façon dont je fais les choses maintenant, on dirait que je vais devoir attaquer. Tu crois que ça va être si facile? Oui, ça ne peut pas être facile, mais que ce soit un peu difficile pour moi, car je voudrais pas que ce soit facile. Mais comme celle l'a dit qu'elle n'est pas prête pour une relation, alors je vais rester où je peux... Ce n'est pas un mensonge, tu as tout à fait raison. Tu vois? Celui qui part à la chasse... Perd sa place, c'est ça. Normal. Tu vois, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Celui qui part à la chasse perd sa place. Ça, c'est la vérité. C'est bien ça, mon gars. Ouf. Juste la vérité. J'aime bien ça. Monsieur, pourquoi fais-tu les va-et-vient? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Jazz, ma puce. Hey. Donne Jazzy. Incroyable. Hey. Écoute. J'ai demandé de l'argent à ma sœur. Et elle a refusé de me le donner. Alors, à cause de ça, j'ai commencé à repenser à tous les événements de cette maison. Et j'ai décidé d'être de ton côté. Différé. Être de mon côté. Comment? En y réfléchissant, Véronica est venue avec deux gardes dans cette maison. Et toi, aucun. Je ne sais pas, est-ce qu'elle utilise ton étoile? Ou alors, est-ce que tu es une lesbienne? Parce que même dans le lesbianisme, tu ne prospères pas. Aucun homme ni femme ne veut venir avec toi dans cette maison. Alors, je ne fais que réfléchir, tu comprends? Jeffrey. Moi. Lesbienne? Écoute-moi. Si tu me donnes cet argent que je cherche, je te promets, je vais pratiquer une délivrance sur toi. Et tous ces esprits partiront. Et je te dis, les hommes et les femmes te poursuivront. Jeffrey, tu es malade. C'est toi, les dames, les hommes, les enfants te poursuivront. Attends, pour de vrai, tu es sérieux? Hein? Je pensais que tu blaguais. Écoute, quand je vais commencer la délivrance sur toi, tu... Idiot. Mec. Ouais. À te voir comme ça, mec. Tu es sapé, mec. Arrête tes soucis.
Comment tu vas, Jeffrey? Je vais bien, je vais bien. Est-ce que Véronica est à la maison? Non, non, elle est sortie. Eh merde. J'espère qu'il n'y a aucun problème. Je voulais l'amener dîner, mais j'imagine qu'une autre fois. Reviens, t'en vas pas, mais comment? C'est comme ça que tu fonctionnes. Alors tu veux juste partir comme ça? Mais non. Je ne comprends pas l'argent avec lequel tu es venu. Tu veux repartir avec? Non. Est-ce que je refuse le dîner? Est-ce que je refuse le dîner? Ne suis-je pas un plat emporté? Tu n'es pas un plat emporté, quoi que ça veut dire. Je ne savais pas que tu serais intéressé. D'accord, donc... Je suis intéressé. L'intérêt, c'est mon nom. D'accord, alors, allons-y. Tous les deux? Bien sûr. Hey, c'est parti. C'est parti. Donne-moi juste quelques minutes. Juste le temps de m'apprêter et je reviens très vite. Waouh, le boss. Oh, ce dîner m'a conduit dans une extase. Comment est-ce que ça ne va pas te conduire à une extase? Quand toi seul, tu as mangé ce qu'une... une méchante fille ne peut même pas manger. Le boss, calme-toi. Calme-toi, tu sais que ce genre d'opportunité ne se présentera plus, tu comprends? Alors, je dois le saisir, hein? Le saisir et déchaîner toute ma colère sur lui. Hein? De toute façon, il y a quelque chose d'important dont j'aimerais parler avec toi. Ok, permets-moi. J'ai déjà digéré. Hein. Tu vois, Domao, je voudrais te dire que je commence à tomber amoureux de ta sœur. Ouais. Mais je ne sais pas comment m'y prendre par rapport à ça. Ce que je veux dire, en fait, je ne sais même pas si elle m'aime aussi. Alors, j'avais besoin de ton aide. Oh Dieu. Le boss, t'es un vrai homme. Tu es un vrai homme. Tu as réalisé que je suis l'homme de la maison. Et tu as décidé de prendre le bon chemin. T'es un vrai homme. À cause de ça, je vais t'aider. D'accord. Attends. Mais, je suis aussi un homme d'affaires, tu comprends? Ok. Donc, si je te donne ma sœur... Qu'est-ce que j'aurai en retour? Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Hein. Bonsoir. Je n'ai pas su quand tu es rentrée. Ah, ma chère, comment tu vas? Je vais bien. Ce n'est pas important, on vient juste de rentrer. Ah, ok. Jeffrey, voici ma petite sœur Juliette. Juliette, voici Jeffrey, le petit frère de Véronica. Oh, salut. Salut. De toutes les façons, s'il te plaît, je vais voir mes amis. Je veux me détendre un peu. Hey, tu n'as pas intérêt à mettre long. D'accord, je ne mettrai pas long. Juliette, tu n'as pas intérêt à mettre long. Je ne mettrai pas long, ok? Bye. Attends. Le boss, attends. C'est ta sœur? Oui, pourquoi? C'est bon. L'affaire est conclue. L'affaire est lancée. Je ferai tout à mon pouvoir pour m'assurer que ton esprit, ton âme, ton corps soient dans la tête de ma sœur. Je ferai tout. Ok. Oh, mais comprends-moi. Allez, fais à autrui ce que tu voudrais qu'il fasse pour toi. Tu comprends, hein? Tu comprends maintenant, hein? Donc, tu veux dire que c'est parce que tu me donnes ta sœur? Moi aussi, je devrais te donner Non, le boss, allez! Du calme, hein? Regarde, écoute, je vais te donner ma sœur, pas de problème! Mais donne-moi juste la permission de rendre visite à n'importe quel moment, n'importe quel jour. Tu comprends? Tu es vraiment cinglé, toi! Allez, le boss, t'es un vrai homme! Ouais! Tu veux faire un échange? Tu dois être cinglé. T'as tout compris. Tu as un grave problème, toi. T'as raison. On m'appelle idiot parfois. En parlant du loup. Bonsoir, mesdames. Monsieur, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es si excité? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé ma raison de vivre. Attends. Est-ce que je suis le seul à sentir ça? Sentir quoi? Le mariage! Allez!
Comme vous me voyez là, tout mon corps ne fait que me dire « Le mariage, 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 mariage. » Aïe. Oh mon Dieu. Véro, tu dois appeler David. Je crois qu'il lui a donné de l'alcool. Mais oh, non, de quoi est-ce qu'il parle? Non, mes chères sœurs, calmez-vous, ce n'est pas l'alcool. Okay. Il m'a donné un verre d'amour. Un verre d'amour. Ma sœur Véronica, tu vois, le mariage frappe à notre porte. Toi, ou moi, l'un d'entre nous doit se marier. Le mariage. De quoi est-ce qu'il parle? C'est la nouvelle. Ah mariage. 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 Le mariage. Je n'ai rien encore vu. Hein? Hein? J'aurais vraiment tout vu avec lui. Je n'ai encore de quoi rien qu'il parle? Vu. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Ok, c'est bien. Je n'étais même pas là l'autre jour. Tu devais entendre ce que ce gars m'a dit. Différé est venu à moi pour venir me dire que toi, Véronica, tu utilises mon destin. Ah ah. Hey. Drôle, n'est-ce pas? Non. Mais franchement, il avait l'air sérieux. Il me demandait de l'argent et il m'a dit que c'était pour les frais de délivrance. Qu'il avait un truc sur ma tête à cause du fait que tu es venu avec deux hommes dans cette maison et moi aucun. Et que même si je suis lesbienne, je suis fatiguée de Jeffrey. Franchement. Attends. Il t'a vraiment dit ça? Hein? Mais demande-lui. Jeffrey! Ah, il faut lui demander. Jeffrey me demande de l'argent pour la délivrance. Entre lui et moi, qui a besoin de la délivrance? Est-il normal? Je pense que ce gars est malade. Regarde, fais autant. Alors, le boss, tu dois doubler tes efforts pour ma sœur. Parce qu'actuellement, tu n'es pas le seul sur la liste. T'es pas du tout le seul à chasser. Ok, en fait, je prévoyais l'emmener pour une petite balade demain. Peut-être pour déjeuner ou dîner. Mais non! Pourquoi les hommes aiment dépenser de l'argent pour le déjeuner? Déjeuner ça, déjeuner ci. Non! Amène ma sœur dans ta maison. Cuisine pour elle, fais-lui un dîner. Tu sais, le dîner, quelque chose de romantique. Ma sœur veut un homme qui sait cuisiner. Ok. Le boss, écoute, comme vous serez là-bas en train de vous amuser, pourquoi tu n'envoies pas Juliette ici? Tu sais, comme ça, elle ne vous dérangera pas, tu comprends? Il n'en est pas à caution. Jeffrey, je te connais très bien. Mais non, comprends-moi, ma sœur aime les endroits isolés. C'est plus romantique, tu vois? Va te faire foutre. Ah. Alors, tu vois, Juliette, si jamais tu te rabaisses un jour, hein, peut-être qu'un homme fera aussi ça pour toi, hein? Ah, je ne t'ai pas dit qu'ils ont déjà commencé. S'il te plaît, qui est-ce que nous attendons? C'est Judith? Je te demande pardon. Je t'ai déjà dit que j'ai rompu avec cette fille. Et là, j'attends mon petit cœur, Véronica. D'accord. Qui frappe à la porte? Yes. Mais il n'est encore que midi. Véronica n'est censée être là que le soir. S'il te plaît, aide-moi, regardez qui est à la porte. Ok. Cette nourriture sent trop bon. J'arrive. Oui, j'arrive. Qui est-ce? Salut, beauté divine. Oh mon Dieu. Comment est-ce que tu vas? Tu m'as fait peur. Tu vois, j'étais à la maison, ennuyé par les activités de la journée. Et j'ai entendu un chuchotement. Un chuchotement m'a dit, « Lève-toi et va dans la maison de mon ange et sois éclairé par sa beauté. » Juliette qui est là? Juliette, qui c'est? Jeffrey, qu'est-ce que tu fais ici? Rien, les boss. Rien. Tu vois, si la montagne ne vient pas à Mohamed, alors Mohamed ira à la montagne. Et je suis aussi venu pour inspecter. Tout pour me rassurer que tout... S'il te plaît, va t'asseoir. Est-ce la raison pour laquelle tu es habillé maintenant en costume qui n'est même pas sorti? Ah, le boss, c'est la mode. Hein? La mode. C'est ce que j'ai trouvé. C'est ce que j'ai trouvé, je ne pouvais pas faire autrement. Allez, qui sait, quelqu'un peut tomber amoureuse de moi. Laisse cette fille tranquille et cherche un siège où t'asseoir. Assieds-toi. Très drôle. Hmm.
Salut. Salut. Qui est-ce? Ah, ah. Monsieur, qu'est-ce que tu fais ici? Ma chère sœur, j'ai constaté que Jasmine et toi alliez sortir aujourd'hui. Alors j'ai décidé de venir ici me débrouiller à manger un truc. Si je restais à la maison, je serais mort de faim. Comment tu vas? Je vais bien. Bonsoir. Bonsoir. Oh, ça doit être Juliette, n'est-ce pas? Ouais, c'est elle. Oh, quelle beauté. Ravie également de faire ta connaissance. Elle est le nouveau membre de notre famille. Oh, vraiment? Ma célébrité. Ah, c'est une célébrité? Viens, ma beauté. Viens t'asseoir. Hey, tu cuisines très bien. Oh, je me suis débrouillée. Hey, toi, lève-toi de là et laisse la place à ta sœur. Tu adores la nourriture. Beaucoup de nourriture. J'en veux plus. Ouais. Tu m'as dit de me joindre à vous, c'est ça? Pas encore. Waouh, c'est vraiment délicieux. Plus sérieusement, Dave, c'est toi qui as cuisiné ça? Je te l'ai déjà dit. Je l'ai fait. Juliette, est-ce que c'est vrai? De toutes les façons, je sais que... je n'ai rien fait dans cette maison depuis le matin. Alors, il l'a fait. Pour être honnête, frérot, cette nourriture... est plus bonne que celle que tu as cuisinée il y a 2 mois. Est-ce que tu peux la fermer et manger ta nourriture? Le boss. Donc, depuis 2 mois, tu n'es pas entré dans la cuisine. Mais à cause de ma sœur, tu as pris le temps. La force, l'énergie, ouais. T'es un vrai homme, ouais. Eh bien, t'es un vrai j'essayais homme. Juste d'établir la norme pour savoir s'occuper de son invité. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien... Je suis impressionnée. Oui, je suis impressionnée. Merci. Merci. Je suis impressionnée. Oh, mince. Waouh, bébé. Oh, d'accord. Quoi? J'aurais pas dû. Non, pas vraiment. Alors? Je veux dire, je te vois comme un ami. Tu es juste comme un grand frère pour moi. Yeah. Allez, bébé, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Je t'aime énormément, c'est pour cette raison que je t'ai embrassé. J'aurais juste espéré que tu m'aimes un peu en retour. David. Oui, David, oui. Je ne vais pas avoir cette conversation maintenant, d'accord? Mais... S'il te plaît, mais... je m'en vais. Dis à mon frère que je suis partie. Mais... Je suis désolée. Attends. Genre, il t'a embrassé et tu as quitté la maison. Oui. Véronica, pourquoi? Je ne comprends pas. C'est parce que tu ne l'aimes pas ou quoi? Apprécier, oui. Mais l'amour, non, je ne pense pas. Je veux dire, je ne suis même pas prête pour ça, meuf. Je ne le suis pas. Ok, bien. Tu n'es pas prête. Oui. Alors, tout l'amour et les appels d'affection, c'était quoi au juste? Allez, meuf. Donc... Une fille ne peut plus être avec un gars sans avoir des pensées bizarres. Pourquoi est-ce que, à chaque fois qu'on voit une fille avec un garçon, tout le monde commence à penser qu'elle a des sentiments pour lui ou peut-être qu'il y a quelque chose d'autre? Mais non, ce n'est pas toujours comme ça.
Oui, je l'apprécie, mais l'amour... Non. Non, non, je ne pense pas. Je ne suis même pas prête pour ça. Véronica. Quoi? C'est vraiment bizarre. Laisse-moi te dire, non. Tu vas y retourner. Oh. De quoi est-ce que tu parles? Est-ce que tu n'as pas vu ce que ta sœur m'a fait la dernière fois? Tu l'as vu, n'est-ce pas? Hey! Le général de notre époque! Imagine un peu ça, hein? Après tous les astuces que tu m'as données, hein? Putain, je ne peux pas croire à ça. Franchement parlant, franchement, je suis moi-même très surpris. Je croyais qu'elle t'aimait. Vous vous êtes rapprochés, mais les filles sont bizarres. Elles te font tomber amoureux et quand tu es dedans, elles disparaissent. Elle m'a juste mis dans la zone amie, après tous les feux verts qu'elle m'a donnés. Le boss... Ce n'est pas la zone d'amis. C'était quoi alors? Elle t'a mise dans la zone famille. Genre, elle t'a appelé son grand frère. Boss, comment t'arrives même à respirer? Mec, je devrais peut-être t'enfiler mon poing dans la figure. Désolé. En tout cas, j'espère que mon affaire n'est pas gâtée, tu comprends? J'espère que tu... Hein? De quelle affaire est-ce que tu parles? Mais de Juliette, ta sœur. Oh, parce que pour vous est gâché, tu veux gâcher aussi pour moi. Hé, hein? Fous le compte là! J'ai dit maintenant, tu fous le compte ici, mon ami. Tu es là à me parler des affaires qui ne sont pas gâchées. Le boss, David. David qui a tué Goliath, mais qui ne peut pas attraper Véronica. Allez, fous le compte, va-t'en. J'ai dit de partir, va dans la cuisine. J'ai dit de partir, va dans la cuisine maintenant. Dégage de là et va dans la cuisine. Sombre idiot. Salut, David. Ouh! Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Que veux-tu dire par là? Regarde, je me suis déjà fait clair que je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Allez, David, s'il te plaît, je t'aime encore. Tout ce que je veux, c'est que tu reviennes. Regarde, ça ne peut pas arriver, ok? Il faut que tu comprennes que... Nous ne pouvons plus être ensemble maintenant. Tous ces vieux moments qu'on a passés et faire toutes ces choses folles, j'ai arrêté. Je suis une nouvelle personne maintenant. Alors, d'accord? Nous ne pouvons plus du tout être ensemble. Écoute, David, je me fiche du genre de personne que tu veux être. Tu peux l'être. David, je t'aime. Non. Un instant, non. D'accord, tu sais quoi? Je crois que tu devrais partir, s'il te plaît. D'accord, je vais partir. Mais sache que... Savoir quoi? David, je ne vais pas te laisser partir. Jamais. Garde ça derrière ta tête. Bien. Je ne vais pas te laisser partir. Ok, s'il te plaît. Vous voyez ce que je disais? Est-ce que vous pouvez voir à l'instant ce que je venais de dire? Entendre. Cette fille utilise encore. Salut. Salut. Alors, j'étais dans les environs et j'ai décidé de te rendre une petite visite. Ok, c'est gentil. Oh, ah, le boss. Tu es là? Ouais. Bien, bon après-midi. Bon après-midi, comment tu vas? Ah, je vais bien, et toi? Je vais bien, merci. Grande sœur, je vais aller voir mes potes. On va traîner un peu. Ne me manque pas trop. Ok. D'accord. Hey. Bye. Ok, bien. Je t'aime. Ok. Je suis désolé, mais je sais exactement ce que je ressens pour toi. Je t'aime vraiment. Écoute, David,
Je ne dis pas que tu n'en as pas le droit. Je ne suis juste pas prête à entamer une nouvelle relation. Et j'aimerais vraiment que tu me comprennes. Ok, pas de souci. Bien, je peux comprendre. Je comprends et je ne vais rien précipiter du tout. Mais... ne pouvons-nous pas être comme on était avant? Tu mens. Oui, j'aimerais que ce soit comme c'était avant. Parce que toi aussi tu m'as manqué. Tu en es sûr? Oui. Tu es sûr que je t'ai vraiment manqué? Ouais. Entrez. Salut, mon ange. Salut. Quoi de neuf? Dieu merci, tout va bien. Et toi donc? D'accord, comment tu vas? Je vais bien, très bien. Ton frère est chez moi, alors... Alors je me suis dit que tu vas t'ennuyer, et moi je m'ennuie. Alors pourquoi ne pas venir ici, comme ça on pourra s'amuser ensemble. Oh mon Dieu, de toute façon je m'ennuyais, merci d'être venu. Oui, oui. Pourquoi tu... Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? La vérité est que je manque, en fait, les mots. Je ne sais pas si tu seras d'accord. Assez de toutes ces formalités. Ah, pourquoi faisons-nous comme si c'est la première fois qu'on se voit? Reste juste assis là, je vais nous chercher à boire, ok? Okay, ouais. Reste assis, j'apporte à boire, d'accord? Je reviens. Ouais. Alors, tu étais vraiment sérieuse sur le fait que ton frère est un soldat? Ouais, le truc est qu'il est sorti de là il y a quelques années maintenant. Waouh, je suis surpris parce que, tu sais, je croyais souvent que les soldats sont brutaux, tu sais, dangereux, méchants. Je suis surpris. Mais non, ils ne sont pas tous pareils. Ils sont des êtres humains normaux comme toi et moi. C'est juste qu'ils ont une profession plus sérieuse. Et qu'en est-il de toi? Est-ce que tu comptes suivre ses pas? Avec ce corps qui est si fragile. Oh mon Dieu, s'il te plaît, je ne vois qu'une égratignure sur mon corps. J'aime beaucoup trop mon corps. Et j'en prends Voyez-moi soin. Ça. Voilà ce que Dieu. Je pense. Ce gars qui fera n'importe quoi pour briser ton cœur. Il est mort. Dieu merci, tu le sais. C'est sérieux, hein? C'est très sérieux. Parce que si un temps soit peu, j'appelle mon frère et qu'il décide de s'occuper de cette affaire avec la collaboration de ses amis militaires, c'est chaud pour le gars. C'est chaud. Laisse-moi me concentrer sur les plats. Et tant que je peux. Pas de souci. Qui est là? Oh mon Dieu! Pourquoi tu as fait ça? Oh mon Dieu! Comment tu vas? Comment tu es entré? Eh bien, j'ai frappé et j'ai constaté que la porte était ouverte, alors je suis entré. Donc, tu fais rire à laisser la porte ouverte. Ok, alors, que fais-tu ici? Je ne sais pas que je t'ai appelé. Je suis en fait venu te voir. Je t'ai appelé et t'as pas arrêté d'ignorer mes appels, alors je suis venu te voir. Ok, bien. Maintenant que tu es là... Ouais. Bien. Et alors? Je suis contente parce que j'ai besoin d'un homme à la cuisine. Je n'y comprends rien. Ok. Jack, avant que tu n'arrives, j'étais sur le point d'épiler l'igname. Maintenant que...
tu es là. Tu me fais du bien en m'aidant. Tu sais, tu n'aimerais pas voir ta femme souffrir, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Ok, donc, tu vas m'aider. Ouais, bien sûr. Ok, laisse-moi fermer la porte avant que je ne reçoive une autre surprise. Ok. Si, un petit truc pour moi. Tu sais le faire? Oui, bien sûr. Allons-y. Merci beaucoup pour aujourd'hui, mon super-héros. Ah, vas-y doucement. Oh. Désolée. Oh, maman. Désolée. C'est vrai. Je te jure, c'est Dieu qui t'a envoyé aujourd'hui. À cause de toi, j'étais en fait capable de cuisiner deux soupes. Et aussi, piler... Non, c'est rien. Pourquoi tu me remercies? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne fais que piler des lignames. Non. Mais... Ça m'a même fait mal que l'igname soit fini, sinon j'allais encore piler un peu plus pour toi. Je sais rien, donc j'aime piler des lignames. J'aime piler lignames. Ah, il y en a encore. On peut retourner comme un... Non, laisse-moi... C'est bon. Ne gâchons pas ce moment. Vraiment? Où est David? Où diable est David? Il est sorti et il n'est pas encore entré. Ah. Ah. Ok. Alors, comme ça, David ne veut pas revenir à moi, n'est-ce pas? Donc, il ne veut pas revenir à moi. Ah, eh bien, quand il va revenir, dites-lui que Judith, l'amour de sa vie, est revenue le voir, ok? Je le ferai. Je suis vraiment désolée. Garde tes excuses. Je suis vraiment, vraiment désolée. C'était quoi, ça? C'est Judith, l'ex... petite amie de mon frère. Pourquoi le boss David sortirait-il avec une personne pareille? Genre, elle ressemble à un toxicomane. Eh bien, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et David est sorti avec elle parce qu'il était comme ça. Elle n'est pas comme ça à chaque fois. Attends. Donc, le boss David était toxicomane? Ouais. C'est la raison pour laquelle il a quitté l'armée. Il est entré dans une mauvaise compagnie et il a une mauvaise petite amie, comme tu peux le constater. Je suis vraiment désolée. Non, c'est rien. Tu es sûr? Ouais. Attends, viens là. Tu as quelque chose de bon. Hein? Arrête. Je pense en fait à ça. Hey, salut. Salut. Jack, tu es là? Ouais, je suis là. Ok. Hey. Laissez-moi formellement vous présenter, les gars. Voici David. David, voilà Jack. Ravi de faire ta connaissance. Ouais, frère. Tu vas bien? Ouais. Bien. Tu es vraiment différente. Et je pense qu'il te gâte vraiment. Eh bien, c'est vrai, tu peux le redire. De toute façon, où est Jeffrey? Jeffrey. Eh bien, je sais très bien où il est. Vraiment? Oui, je sais. Allô, grande sœur? Quoi de neuf? Je suis chez l'un de mes potes. Je voulais juste me détendre un peu, tu vois. Hein? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je savais que tu étais au courant. J'ai pas menti. Je savais que tu étais au courant. C'est parce que le boss, David, c'est mon pote et je suis chez mon pote. Parce que David est mon pote. Ça, tu le sais déjà. On arrive. Mon ange, je voudrais qu'on aille dîner chez moi. Comment est-ce qu'elle a su que tu étais ici? Est-ce une question? C'est évident, ça. Ok, un instant, j'enfile quelque chose. Pas de soucis. Je peux venir? Arrête tes bêtises, ne laisse pas mon frère te surprendre. Ah.
Mais qui diable êtes-vous? Comment êtes-vous entré dans ma maison? Que faites-vous ici? Et comment puis-je vous aider? Quel David? Oh. David ne m'avait pas dit qu'il avait une petite amie. Hé, madame. David et moi sommes juste amis, d'accord? Alors calmez-vous. Ne me balancez pas vos injures. Arrêtez ça. Ta petite amie était ici. Je ne comprends pas, ma petite amie. Que veux-tu dire par ma petite amie? Judith. S'il te plaît, Judith n'est pas ma petite amie. Elle est mon ex. Okay? Oh, donc elle était même ta petite mon amie. Mon ex. Eh bien, elle était ici, me demandant de rester loin de toi. Quoi? Comment a-t-elle pu dire une chose pareille? Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que toi et moi étions juste amis. Ok. Dis-moi, David. Quoi? Est-ce que tu as eu recours à la drogue? Est-ce que c'est ce qu'elle t'a dit? Oui, elle l'a mentionné. Et s'il te plaît, ne me mens pas. Est-ce que tu as eu recours à la drogue? D'accord, bien. J'y ai été impliqué une fois, mais toutes ces choses ont détruit tout ce qu'on avait en commun. Et quand j'ai réalisé que cette affaire de drogue ruinait totalement ma vie, j'ai dû arrêter. Je lui ai dit d'arrêter aussi, mais elle n'a pas voulu. Et puis j'ai rompu avec elle. Est-ce qu'elle le fait encore? Je ne sais pas. J'imagine qu'elle le fait encore. Wow. Eh bien, je suppose que c'est la vie. Eh bien, j'imagine que la vie a ses mauvaises phases. Et je suis tellement contente d'avoir pu atteindre ce niveau sans avoir à expérimenter cela. Oh, wow. Eh bien, je dois dire que tu es l'une des rares chanceuses. Tu es très, très chanceuse. Alors, comment est-ce que tu vas? Loin de tous ces drames. Je me débrouille. T'en es sûr? Hey, salut. Ça va aller, Jane. Arrête de pleurer, d'accord? Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous tout.
Ça va aller. Je... Quoi? Oui. Je suis allée rendre visite à une amie et il m'a violée. Oh mon Dieu, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Ça va aller. Hein? Prends le calmement, d'accord? Tout ira bien, ok? Ma chère, ça va aller, ok? S'il te plaît, détends-toi un peu, ok? Oh mon Dieu, c'est encore arrivé. Jasmine, tu sais ce que je pense? Quoi? Je pense qu'on devrait appeler David. Nous devons nous rendre chez ce gars, lui donner la bastonnade de sa vie, le foutre en prison et le faire souffrir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît. Ne faites rien de plus que ça. Ne le faites pas, ne le faites pas, je vous en supplie. Si on l'arrête, mes parents pourront être au courant. Et j'aurai très honte. Je vous en supplie, je vous en supplie. Je vous en prie. Je ne veux pas que ce soit pire que ça, je vous en prie. Je vous en supplie. Ça va aller. Je te comprends, d'accord? Mon Dieu. Arrête de pleurer. Allez, arrête de pleurer. Allez, lève-toi. Est-il le même lève-toi. De Véronica? Non, non, non. Tout ira bien. C'est pas possible. D'accord? Est-ce que tu essaies de dire qu'elle ne veut absolument rien dire à quiconque à propos de ça? Elle ne veut même pas que ses parents le sachent? Elle a dit non. Elle a dit que ce ne sera pas possible. Elle ne voudrait pas que ses parents le découvrent. Waouh. Que c'est une honte qu'elle apportera. C'est alors... vraiment triste. Alors elle va garder ce secret toute seule. Eh bien, c'est comme je te l'ai dit. Ok. Elle ne voudrait pas que Jasmine et moi allions le confronter. Ok. Grande sœur, mm-hmm. Est-ce que tu étais au courant que David était soldat avant? Ouais, il l'est. Enfin, il l'était. Il prétend même avoir son arme. Waouh, ce gars est tellement droit. Et il est tellement humble et aimable. Eh bien, c'est un chouette garçon. Allez, tu te comportes comme si tu n'étais pas impressionné. Quoi? Écoute, oublie le fait que je viens d'une famille riche. Je peux aussi être sauvage, tu sais. Genre, je suis un mélange de gosse de riche et gosse de pauvre, quoi. Quoi? Toi. Oh. Toi que je vois là. Regarde à quel point ta pomme de main est douce. Oh, allez, oublie ça.
Tu vois, je trempe ma paume de main dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes. C'est pour avoir des paumes de main douces. Je le vois. Monsieur le thérapeute. Thérapie, mon œil. De toute façon, est-ce que je peux jeter un coup d'œil sur les photos de ton téléphone? Ouais, bien sûr. Merci. Je déteste vraiment l'oppression. Tu sais, le fait que l'on soit riche, meilleur ou plus fort que les autres, ne veut pas dire qu'on ait le droit d'utiliser cela pour oppresser l'autre personne, tu vois. Non, ça ne doit pas être moi qui suis oppressé et être encore en colère. Ouais, personne n'aime l'oppression, tu sais. Waouh! Tu es vraiment très belle derrière la caméra et devant elle aussi. Meuf, tu es belle. Arrête. Merci. Tu es très belle. Allez, remets-moi mon téléphone. Et je mets ça. Ouais, vas-y, joue. Oh. Ce jeu est vraiment pourri. Je peux voir ça. Hein? Je vois ça. Tu veux le voir? Allez. Ok, d'accord. Elle a parfaitement okay. raison. C'est bien. Elle a raison. Ok. C'est mon pas tour. Pas d'inquiétude. Vas-y, joue. Joue alors. Allez, vas-y. Et ramasse deux. Ah, prends les deux. Ouais. Ah, c'est bon. Prends-la. Yeah. On a gagné. Vas-y, bois. Regarde, tu vois bois. Ça, j'ai fait une belle perte. Vas-y, bois. Hey, donne-moi tes cartes. Okay. Bois ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Fille de ce verre. Vas-y, bois. Allez, vas-y, bois. Allez. Allez, finis allez, ça. Allez. Allez, bois. Bois. Allez, maintenant, c'est ton tour. Vite, de ça. Vite, ça. Ouais, bois. Allez. Bois. Désolé. Bois. Désolé. Bois. Bois. Oh. Oh. Ok. Tiens ça. Ok, on relance tout. Ok. Alors, 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. Oui, okay. Oui. On va vous saouler la gueule. C'est la revanche. Ah. Allez, vas-y. Hey, observez bien. Ne dites pas après qu'on a très mal distribué les cartes. Regardez bien. Regardez. Un verre. Non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Il ne s'agit pas de toi. Je ne sais pas. Je me sens bizarre. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec moi. Waouh, juste comme ça? Tu veux que je parte? Tu veux que non. je m'en aille? Non, bébé, non. Reste et serre-moi dans tes bras, si tu le peux, s'il te plaît. S'il te plaît. Bien sûr que je peux. Allez, viens là. Salut ma puce. Dis-moi tout, hein? Quoi de neuf, hein? Dis-moi s'il tout. S'il te plaît, avant que tu ne me tues. Mm-hmm. On l'a fait. Oh, waouh, c'est super. Dis-moi, comment il t'a fait l'amour? Dis-moi tout. Comment? Dis-moi tout. Je l'ai repoussé. Véronica, tu l'as repoussé? T'es sérieuse? Écoute, je ne sais pas. J'étais juste dans le même esprit. On allait plus loin, mais tout à coup, j'ai eu un flash de mon viol. Tu sais, le rêve dont je t'avais parlé. Et ça avait l'air tellement réel. Ça doit forcément dire quelque chose.
n'y a rien de réel à cela. Chérie, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne le comprends pas moi-même. Tu sais, c'était juste... Ce n'était pas intentionnel. C'est juste arrivé. Je n'ai pas... Alors, attends, comment est-ce qu'il l'a pris? Il a demandé s'il devait partir. Non. Et j'ai dit non. Ah, ok. Et j'ai demandé qu'on se fasse des câlins. Alors il l'a volontairement fait. Pourquoi ne m'as-tu pas d'abord parlé de ça? Genre, vous avez fait un truc. Pourquoi me rends-tu si tendue? Pourquoi? Ma puce, je sais, tu dois juste oublier ça. Il y a quelque chose de bizarre. Ne pense plus à ça. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre et comment es-tu entrée? Eh bien, le déjeuner est prêt. Et tu n'as évidemment pas fermé ta porte. T'en fais pas, vas-y, je vais te retrouver là-bas. Laisse-moi me mettre un truc. Ok, je vais t'attendre dehors. Sexy boy. Ah. Bienvenue. Merci. Donc tu es déjà de retour? Oui, je suis de retour. Je t'ai manqué. J'étais content parce que tu n'étais pas là, parce qu'il n'y avait personne pour me déranger. Continue à faire semblant. C'est la pure vérité. C'est ça. Et c'était quand la dernière fois que tu as eu des nouvelles de Jeffrey? Oh, Jeffrey, ça fait vraiment longtemps. Vu que j'ai été occupée pendant ce temps, je n'ai pas été capable de parler avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu aimes vraiment ce gars? Peut-être. En fait, Jeffrey est un comédien. On ne peut vraiment pas le prendre au sérieux. Ok. Pendant que tu es là à penser que ton comédien n'est pas sérieux, il y a quelqu'un d'autre qui le prend très au sérieux. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ce que je veux dire, c'est que pendant que tu ne prends pas au sérieux ton comédien, quelqu'un d'autre que toi le prend très au sérieux. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien du tout. Ah, putain. Est-ce que la nourriture est prête? Hein? J'ai besoin de manger. J'ai besoin de manger. Je pense pour ma part que ce sera eh bien, vraiment, vraiment très sympa. Ce serait tellement adorable. Ouais. Tellement adorable. Ok, vous êtes là. Je veux vraiment dire que je suis tellement reconnaissante pour tout l'amour que vous m'avez tous montré. Ça fait vraiment du bien de savoir que j'ai une famille vers qui je peux courir. C'est rien. Ce n'est rien. Ok. D'accord. Tu sais, tu peux toujours compter sur nous à n'importe quel moment. Nous serons toujours là, d'accord? Vous allez tellement me manquer. Surtout Jeffrey. Hein? Pourquoi vous êtes surpris? Allez, hey, monsieur. Allez, on y va, je te dépose avant que vous ne commenciez tous à dire « tu vas me manquer, tu vas me manquer ».
Est-ce que tu as peur que j'arrache Jeffrey de Juliette? Pardon? T'as dit quoi? Allez, allons-y maintenant dans la voiture. Vite, garçon. On vous accompagne. Viens, on vous accompagne. Tu vas me manquer. Prends bien soin de toi, d'accord? Ok, dis la vérité. Viens, les gars. Elle va te manquer, n'est-ce pas? Ne m'attendez pas. D'accord? Ne m'attendez pas. Tu ne vas pas rentrer? Disons juste que... Ok. Jeff, alors, ne m'attendez pas. Tu as la maison à toi, tout seul. Je vais sortir avec elle. Le boss, profite Damien, bien. Fais venir Juliette ici, ok? Le boss? Dieu. Alors, c'est comme ça que ça va se passer, n'est-ce pas? Ouais. Parfait. Tu as aimé? Oui, j'ai aimé. C'est super. Juliette est allée voir son amie, pas vrai? Ouais, elle n'est pas là. Oh, ok. Alors, c'est l'heure d'aller prendre une douche. Vraiment? Ne t'emballe pas trop, mon chou. Je voulais dire que je prendrai ma douche dans ta salle de bain, et toi, tu prendras la tienne dans la chambre d'invité. Ok. Oui, alors... À plus tard. Waouh. C'est encore juste une question de temps. Hey, salut. Qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Laisse-moi t'apporter un truc à boire. Ok, mais rappelle-toi, je ne veux pas d'alcool. D'accord, d'accord. Servi. Tu sais... Ok, merci. C'est sans alcool, mais santé. Oui. Quoi? Quoi? Je voulais juste savoir si je t'aimais bien ou pas. Alors, c'est le cas. Pourquoi? Alors? Ça te tente? Voyons voir. Pourquoi? Thank you.
Salut. Hey, hey. Salut. Comment vas-tu? Waouh. Est-ce que je peux prendre de ton temps, mon ange? Je ne suis pas d'humeur pour Mais ça. Pourquoi est-ce que tu me dis non? Hein? Attends. Tu crois vraiment qu'un bel homme comme moi serait intéressé par quelqu'un comme toi? S'il te plaît. Et qu'est-ce que cela veut dire? Oh, maintenant tu es en colère. Je veux dire, pourquoi est-ce que les filles sont comme ça? Tu te comportes comme si tu ne voulais pas qu'on t'approche et quand quelqu'un ne te trouve pas attirante, tu te sens offensé. Êtes-vous en train de dire que je ne suis pas attirante? Eh bien, je suis juste en train de dire que je ne te trouve pas aussi attirante, donc... Waouh! Hey, écoute, oublie tous ces drames et aussi toutes ces autres choses, ok? Je m'appelle Daniel. Peut-être que si tu me disais comment tu t'appelles, je me sentirais attiré par toi. Monsieur Daniel? Oui? Suis-je attirante ou pas? Oui, tu l'es. Merci. Alors, voilà mon histoire. Je vois. J'ai perdu le contrat pour lequel j'ai voyagé. Mmh. Je me suis mise à boire jusqu'à devenir ivre. Tout ça pour constater que j'avais oublié mes clés. Waouh. Et puis mon ami était sorti de la maison. J'ai essayé de l'appeler, mais son numéro n'était pas joignable. Vraiment? Voilà où j'en suis. C'est ça. Tu bois. Mm-hmm. Alors la seule différence, c'est que tu ne bois pas chez toi. Vraiment? Ceci est plus fort que je pensais. Ah, déjà? Oui. Oh. Allez. Oups. Vas-y doucement. Oups. Désolée. Oui. J'espère que tout va bien. Qu'à cela ne tienne, ce bel homme que voici va t'emmener dans une chambre. Salut. Je crois que... Je te remercie. Maintenant, tout va bien. Je crois que je vais me coucher maintenant. Oui. Alors... Je comprends. Je vais m'allonger. Je comprends. Je comprends très bien. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'en fais pas. Tu vas aimer. D'accord? Non, pas ça. Non! Non! Arrête! Non. Détends-toi. Comme ça, on pourra très bien s'amuser. Non. Calme-toi. Non. Arrête, calme-toi. Daniel. Oh. Non, je ne veux pas. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Je te connais. Bien sûr que tu me connais. Je veux dire... Je te connais. Est-ce que... Reste là. Qu'est-ce qu'il y a? Reste là. Désolée, David m'a violée, Jess. Calme-toi, juste. Pourquoi? S'il
S'il te plaît, calme-toi. S'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. Calme-toi, Véronica. Ressaisis-toi, Véronica. Hey. S'il te plaît, calme-toi. Sorette. Hé. Hey. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, calme-toi. Jeffrey, essaye de la calmer. Maintenant, ma s'il fiche. Te plaît. Véronica. Véronica, calme-toi. Désolée, désolée. C'était David. Calme-toi. Je me rappelle de tout, Jasmine. Pourquoi est-ce que tu m'as menti? Mes parents et toi m'avaient menti. Vous m'avez tous menti. Nous, pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas dit que j'avais été violée? Nous t'avons menti parce que tu étais tellement heureuse que tu oubliais à propos de ces viols. Et on croyait que tu n'allais plus jamais te rappeler de ça. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais ici? Le docteur a dit qu'en ce moment, il n'est pas encore réveillé. Ok. Comme là-bas, elle se logis près de son cœur. Oh mon Dieu, mon Dieu. Véronique, est-ce que ça va? Jack, nous nous sommes rencontrés avant, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr. Salut, belle demoiselle. Puis-je t'offrir un verre? Désolée, mais non, vous ne pouvez pas. Comme vous le voyez, je ne suis pas intéressée par cette conversation. Vraiment? Je dois y aller. Ouais, c'est très tendre. Hey! Vraiment tendre. Qu'est-ce que vous venez de faire? Un fessier très tendre, c'est un bijou que t'as là. Bon sang, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous êtes bête ou quoi? Vous êtes malade? Hé, hey, donne-moi un mouchoir pour que j'essuie ça. Ah, bon sang. Désolé pour le comportement que j'ai eu à ton égard. Vraiment désolé. Non, tu n'es pas l'ennemi. Tu n'es pas l'ennemi. Calme-toi. Tout ira bien. Calme-toi. 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 S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. Ressaisis-toi. Calme-toi. Allez, Juliette, tu dois te calmer, ok? Comment il a pu? Comment il a pu lui faire un truc pareil? Mon frère l'aimait! Il l'aimait pour l'amour de Dieu!
pas de sa faute. Son passé a surgi. Elle n'a pas pu se contrôler. S'il te plaît. Ce n'est pas juste. Mon frère est couché ici à l'hôpital. Ce n'est pas du tout juste. Je sais, nous sommes tous affectés par cet incident. Tu devrais juste te calmer, d'accord? Ok. Ça va aller. Je vais bien. Ok, s'il te plaît, je peux te demander une faveur. Quoi? S'il te plaît, est-ce qu'on peut gérer cette affaire comme une famille? Genre, n'impliquons pas la police. Gérons-le comme une famille, s'il te plaît. Ça va. Ça va. Nous sommes ensemble. Salut. Salut. Tu ne décroches pas, moi, tes appels. Parce que j'étais occupée avec mon frère, sur qui ta sœur a tiré. Non. On ne devrait pas laisser ça nous affecter. Franchement, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux, ok? Ce n'est pas aussi facile que tu le penses. Je fais de mon mieux. Je comprends. Je comprends. Je te promets d'être là à chaque fois que tu auras besoin de moi. Je serai là. Merci. Comment va David? Il est encore dans le coma. Je viens de rentrer de l'hôpital et le docteur m'a dit... Il m'a dit de venir me reposer. Je ne pourrai pas te reposer néanmoins. Qu'est-ce que tu regardes? C'est notre album photo. Attends. C'est quoi ça? C'est Daniel, le frère jumeau de David. Salut, grande sœur. Où est-ce que tu étais? Il y a quelque chose d'important que Juliette m'a dit. Tu es encore allé chez David, c'est ça? Combien de fois est-ce que je t'ai averti d'arrêter d'aller là-bas? Je suis ta sœur. Et j'ai été violée pour l'amour de Dieu. Je sais, d'accord? Je sais, grande sœur, et je ne prends pas de parti, d'accord? N'oublions pas que tu as presque tué David. Et il se bat pour sa vie en ce moment. Il se bat pour sa vie. Tu sais quoi? Je suis déçue. Je suis extrêmement déçue de tout le monde. Quand Jane a été violée, tu es sortie et tu as joué les héros. Tu as pris le gars et tu lui as donné une leçon qu'il n'oubliera pas de sitôt. Mais maintenant, ta propre sœur a été violée et tu ne peux rien faire pour non, cela. Non, attends, que veux-tu que je fasse? Non, que veux-tu que je fasse? Tu as déjà fait assez. Tu as fait assez. T'as tiré sur le mec et il est presque mort. T'as tiré sur quelqu'un qui ne t'a pas violé. David ne t'a pas violé. Ou peut-être que David l'a fait. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Écoute, je connais David, grande sœur. Je le connais, il n'est pas le genre de mec qui ferait un truc pareil. Je veux dire, on connaît David, tous les deux. David ne peut pas violer une femme. Il ne t'a pas violé, Véronica. Non. Véronica, Daniel ne t'a pas violé. David et Daniel sont des jumeaux très identiques. Quand David a rejoint l'armée, Daniel était dans la rue. Il était dans la rue. David ne peut pas violer une femme. Il ne t'a pas violée, Véronica. Véronica, David ne t'a pas violée. David et Daniel sont des jumeaux très identiques. Quand David a rejoint l'armée, Daniel était dans la rue. Il était dans la rue. Ah.
Veronica, je voulais te dire que je suis désolé. Je suis vraiment désolé parce que je n'étais pas là pour toi pendant ces moments sombres. Tu sais, je dis toujours que je suis l'homme de la maison. Je suis le père de la maison. Mais tu traversais tout ça et j'étais pas là. Alors je suis tellement, tellement désolé. Vraiment désolé. J'imagine que rien n'est caché sous le soleil, tu sais. Tout a été exposé maintenant. Et voilà. Je comprends. Et je vous pardonne tous les deux. Tout ce que je veux maintenant, c'est que David aille mieux. Si nous pouvions prier pour lui, pour qu'il aille rapidement mieux. Parce que je ne sais pas ce que je ferais si je le perdais. Il ira bien. On sera toujours là pour toi. Viens là. Daniel ? Je suis désolée. C'est bon. Je suis tellement désolée. Je suis contente que tu ailles mieux. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi. Désolée. C'est bon, ça va aller. Lève-toi. Lève-toi. Bébé. Ça va aller. Le boss. Alors, comment tu te sens? Merci. Alors, elle est où, Veronica? Elle vient juste de sortir pour aller me chercher un truc. Juliette? Eh bien, je ne sais pas. C'était quand la dernière fois que vous l'avez vue? Je l'ai vue hier. Ah, sûrement elle est à la maison. Elle est probablement trop fatiguée pour venir me voir. Eh bien, il n'y a pas de souci avec ça. J'irai la voir après notre sortie. D'accord. D'ici. Alors, la forme, dire. Le bas. Enfin. Bienvenue à la maison, chérie. Allez, assieds-toi. Ok. Mm-hmm. Doucement. Ça va aller. Mais ce n'est pas ma maison. Allez, bébé. Tu sais que je ne te laisserai pas aller rester tout seul chez toi. Reste ici avec nous.
nous allons nous assurer de bien prendre soin de toi, d'accord? Mais qu'en est-il de mes affaires? J'ai déjà remis tes clés à Jeffrey. Oui, donc il va aller là-bas et récupérer tes affaires pour toi. Je vois que tu as très bien planifié mon kidnapping. Bébé, je n'aimerais plus jamais te perdre de vue. Redis-le encore. Je n'aimerais plus jamais te perdre de vue. Désolée, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Quoi? Perdu quoi dans neuf? Tes pensées, je suppose. T'en fais pas pour moi, je suis juste... Devine quoi? Tu as retrouvé Juliette? Ah, non. Ne t'en fais pas, tu la reverras bientôt. David est sur l'affaire. Devine quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Devine. Allez, devine. Tu me connais, tu sais que je suis pas bon pour ces affaires des devinettes. Oh, Jeffrey, très bien. Je vais me marier! Comment? Attends, quoi? Oui! Comment? Genre? Eh bien, David m'a fait sa demande hier et j'ai dit oui, un grand oui! Waouh! Félicitations! Oui! Oui! Qu'en est-il de Juliette? Je crois qu'elle devrait être notre priorité en ce moment. Pourquoi? Ok, voici ce qui s'est passé. David voulait qu'on avance avec les choses au niveau supérieur pendant qu'il la cherche. Alors, quoi, je regarde. Je ne suis pas content du fait que tu sois partie regarde comme ça sans ça. Rien me dire, tu sais. Mais je suis encore... Je suis content que tu te portes bien. Comment vont l'oncle Marvin et Ivan? Ok. Je vais leur passer le bonjour de ta part. Bye. Attends. Est-ce que c'est la personne à qui je pense? Yep. Juliette. Juliette. Wow. Comment va-t-elle? Eh bien, il s'est avéré qu'elle est en Afrique du Sud avec l'un des membres de notre famille. Je veux dire, cette fille est vraiment... folle. Ça, tu peux le dire. Un membre de votre famille en Afrique du Sud? Ouais. Attends, donc elle s'est levée un bon matin et... Oh, Afrique du Sud, et elle est en Afrique du Sud? Pourquoi n'a-t-elle pas voulu m'en parler, genre? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends c'est rien. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ma sœur s'est perdue et maintenant que nous l'avons finalement retrouvée, je suis en colère parce qu'elle n'a pas pris son téléphone pour t'appeler. Je veux dire, c'est quoi ton problème? Pourquoi est-ce que tu dois toujours me causer des ennuis? Vous savez quoi? Je pense que je dois respirer. Tu vas bien?
Cette histoire devient autre chose. On dirait qu'on tourne un film. Tout d'abord, Véronica a été violée. Elle a tiré sur David croyant qu'il était le violeur. Juste pour qu'elle découvre en fait que c'était le jumeau de David qui était le coupable. Et maintenant, Juliette a disparu. Hein? S'il te plaît, pourrons-nous nous marier pour qu'on puisse les laisser dans leur film? Je suis épuisé. Eh bien, dans ce cas, je vais mourir ici. Allez, viens là. Comprends-moi, je suis fatigué. Ouais, franchement, vraiment fatigué. Je suis vraiment désolé pour ma réaction de l'autre fois, ok? Je suis désolé. Le boss, il n'y a pas de souci, pas de souci. Tranquille, je vais bien, je crois que je comprends. Ouais, regarde, ces derniers événements, ces derniers mois ont... Tu sais, joué sur moi d'une façon ou d'une autre. Parce que je crois que c'est la raison de ma crise de la dernière fois, ok? Ouais. Écoute... Je suis aussi désolé, mais genre, je ressens... Je devrais être content qu'elle se porte bien, tu comprends, n'est-ce pas? Je suis censé être... On a brisé mon cœur. J'ai le cœur brisé, en fait. Je sais pas si tu comprends. Hein? Tu ne peux même pas imaginer à quel point j'ai eu le cœur brisé. Après que j'ai appris que ma propre sœur ne sera pas là pour mon mariage. Juste parce que ça arrive trop tôt. Est-ce que tu peux le croire? À quel point c'est tôt? Ah, eh bien, mec, si ce n'était que pour moi... J'allais même épouser ta sœur demain, je t'assure. Mais je compte l'épouser avant la fin du mois. Tu sais, avant la fin du mois. La fin du monde? Mais oui. Mais c'est très tôt. C'est vraiment très tôt. Ah! Mec, je ne laisserai jamais personne, qui que ce soit, ou n'importe quoi, éloigner ta sœur de moi. Tu comprends? Je peux l'imaginer. Nous le savons tous. Je peux l'imaginer. J'espère qu'elle sera d'accord avec ça, tu comprends? En y réfléchissant, est-ce que tu as loué une salle? Tu as déjà dressé ta liste d'invités? Genre, je pense que si tu dois te marier d'ici la fin du mois, tu es franchement très très en arrière. S'il te plaît, mec, oublie ça. C'est quoi ce... Qui se soucie de louer une salle? Invité, regarde, laisse-moi te dire quelque chose. Vous êtes tous insuffisants pour moi. Et je vais appeler une ou deux personnes et nous allons trouver un bon endroit pour le mariage. Et c'est tout, c'est ça. J'espère juste qu'elle sera aussi compréhensive et qu'elle sera d'accord avec ça. C'est... Le boss. Mon pote. Il faut bien le mettre, pour que ça ne tombe pas. Allez, ça suffit comme ça. Pourquoi mettez-vous si long? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais tu n'es pas censé voir la mariée avant l'heure. Oh, allez, oublions tout ça. Allons-y, allons-y, tu as fini, tu es déjà très belle. Allons-y. Nous sommes plus qu'en retard. Allez, assez, assez, assez. Allons-y. Allez. Apporte ses chaussures, apporte son sac, allons-y. Bonjour, monsieur. J'ai le sentiment que nous sommes très en retard. On devrait partir. Assieds-toi, assieds-toi. Ok. Papa. Ma fille. Oui, tu papa. Tu es vraiment très belle. Merci, papa. Oh. Comme tu es déjà ici, j'ai voulu d'un moment comme ça. Pour que je puisse vous donner les conseils tous les deux, avant que vous n'alliez à l'église. Pour vos vœux devant Dieu. S'il te plaît. Ma fille. Oui, papa. Toutes mes félicitations. Merci, papa. Tous les deux, allez vivre
comme mari et femme dans la joie. Amen. Amen. Tu n'auras aucune difficulté pour enfanter. Amen. Vous allez vous réunir avec vos enfants pour être une grande famille. Amen. Merci, papa. Mes félicitations. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde vous attend déjà à l'église. Mais... D'accord. Véronica, arrête! Ce n'est pas David! Quoi? Ce n'est pas David! C'est Daniel! Qu'est-ce que tu dis? C'est celui qui t'a violé! Quoi? Il nous a kidnappés et aussi... Salut, petite sœur. Qu'est-ce que tu fais ici? Que veux-tu dire par qu'est-ce que je fais ici? Donc, tu veux dire que je ne peux pas veiller sur mes cadets ou encore autre chose? Hein? Daniel. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Que veux-tu dire par qu'est-ce que je fais ici? La façon dont vous me détestez dans cette famille est insupportable. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ceci? Te détester? Oui. C'est toi qui parles de haine? Tu as très vite oublié que c'est toi qui nous as traités avec tant de haine et de dégoût. Daniel, s'il te plaît, j'étais sur le point d'aller à l'hôpital pour voir David. Repars juste, ok? À l'hôpital pour voir David? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il paie pour l'un des nombreux crimes que tu as commis. Il est entre la vie et la mort par ta faute. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie depuis un bon bout de temps. Tu as violé une dame appelée Véronica. Elle a tiré sur lui pensant que c'était lui. Attends. Pourquoi est-ce que tu ne te détends pas pour m'expliquer les choses comme il faut? Donc, j'ai violé une fille et elle a perdu la mémoire. Et puis, elle est tombée amoureuse de David. Elle a retrouvé la mémoire et a tiré sur David. Et maintenant, David se bat pour sa survie. Oui, c'est ça. Daniel, je t'en supplie. Je t'en supplie, retourne juste d'où tu viens pour qu'il y ait la paix. Ok? Repars juste. Je vais à l'intérieur prendre quelque chose. Je dois partir. Je vais à l'hôpital. Repars juste, s'il te plaît.
Il a essayé de nous tuer et couvrir son... Ce n'est pas David. David est dehors. Allons-y. Qu'est-ce que... Ce n'est pas David. Est-ce que tu te souviens? Allons juste à l'extérieur. Allons à l'extérieur. Quelque chose ne va pas chez toi. Est-ce que tu vas la fermer? Va t'habiller. Allons. Allons à l'extérieur. Le véritable David est dehors. Quoi? Allons-y. Suivez-moi. Tu es devenu folle. Suivez-moi. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous allez tous? Êtes-vous en train de me dire que vous croyez à ce que vous la croyez? Véronica, lève-toi. Véronica, lève-toi, s'il te plaît. Véronica, lève-toi, s'il te plaît. Véronica. Lève-toi. Lève-toi, Véronica. C'est vraiment fou. Je veux dire, c'est incroyable. Tu sais, laisse-moi t'expliquer et tu comprendras pourquoi. Pourquoi je dis ça. J'essaye de le mettre devant moi maintenant. Un jument. Elle a été violée par l'un d'eux. Et maintenant, il est tombé amoureuse de l'autre. Comment va-t-elle s'en sortir? Sachant que celui qui l'a violée porte le même visage que la personne dont elle est tombée amoureuse. Je veux dire, c'est vraiment fou. Bien sûr, il est évident qu'ils ont besoin de nos prières. Et parlant d'amour, c'était quand la dernière fois que tu m'as dit que tu m'aimais? Ce matin? Alors est-ce que t'es censé me le dire juste le matin? Ne sais-tu pas que t'es censé me le dire matin, midi, soir? Et me donner la dose du matin, la dose de l'après-midi, me dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu dois me le dire avec un baiser, et comme ça je t'en croirai. Ouais. Bien. S'agir de toi? Ah, je dois y réfléchir, je sais pas. Ah, mais attends, mais ça, c'est de l'amour forcé. Ah, je t'aime.